Ok, aujourd'hui on est à Strasbourg avec toute la team et on a essayé de bouger un peu dans la ville, mais il faisait super chaud et on n'était pas super inspiré. Ça va les gars? Ouais, super. Alors le projet, c'est de faire Dubcha là, sauf que c'est en diagonale et il y a des petites lettres sur les murs qui niquent un peu les mains. Ciao. Mais surtout ouais, c'est en diagonale, mais en fait j'ai tellement vu ce spot en vidéo. Et je me suis toujours demandé pourquoi personne fait le Dubcha et tout, et j'avais jamais vu pourquoi. Du coup je comprends un peu mieux, mais j'ai quand même envie de le faire. Du coup je vais essayer. Je comprends pas pourquoi personne le fait. Ouais, je comprends pas. Bah oui, parce que ça me paraît plutôt simple. Ce genre de début et de fin de session. Début, fin. Ça vient d'arriver. Il a plus de main. Voilà. Allez. C'est les lettres, ça. Mais tranquille. Maintenant, tu peux aller manger. Auras Strasbourg, yes. Merci. J'ai mérité le repas. Donc, on va aller à un petit spot pour ceux qui n'ont pas compris. Le spot, il s'appelle le... Jardin des Deux Rives. Jardin des Deux Rives. Jardin des Deux Rives. Ok, et on vend des petits t-shirts pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc voilà, on va partir dans 5-10 minutes. Et tu veux quel time, mon gars? La Mathieu là. On s'est dit qu'on allait essayer de cliffer dans le Rhin. Et on s'est fait conseiller par les locaux. Ils nous amènent à un petit spot où il y a un pont. On va faire une petite coulée et après on va y aller. Il y a un mec qui a ramené du matos de rope swing aussi. Du coup, normalement, on va peut-être installer un rope swing. Déjà, pas le fond grand. Là, tout le monde a les pics allemands et ça vient. Attention, les vélos! Excusez-moi. C'est le fond vélo là, c'est pour moi. Je suis vraiment désolé, je vous souhaite une bonne route. Il n'y a pas de soucis. Non, mais c'est des allemands, ça se trouve en fait. Ok, mais ça, c'est trop stylé. Mais c'est cool en vrai, il y a un gros swing cast là. Le rope swing, oui. Abusé. Mais on va se prendre une poutre. Hein. Moi, je pense qu'on devrait plutôt l'attacher là-bas. Ouais. Et partir de là, là. Ouais, partir ou... là où il est Shukai, là. Ouais, vous partir de là, là, du milieu. Oh. Yo. Oh. Ça va, quoi? Super. Lui, il a mis sa chaussure, du coup, il peut pas faire toucher l'eau. Sinon, il aura plus de chaussure. Oh, j'ai pas envie qu'elle aille dans l'eau. Ouais, bah, il y a 12 mètres. Ah. Je cherche pas un rope swing de 12 mètres là. Ah oui, c'est ça le problème. Ouais, je vais. Je crois que c'est mauvaise idée, non? C'est vrai que c'est pas ouf. Parce qu'en fait, on a fait un test et genre quand le truc il ressort de l'autre côté, et genre je sais pas, 2 mètres, on est à 2 mètres de la fin du pont là. Ouais, mais on lâche plutôt. Ça fait peur. Hein. Ah, par rapport au pont. Ah, mais oui. Mais moi, je pense que c'est chill ça. Ça, c'est pas grave. C'est quoi, toi, ton danger? Bah, c'est juste que c'est haut. Ouais, c'est haut, mec. C'est juste que c'est haut. Tu sais, moi, je pense et que genre, la corde, elle est pas fixe. Du coup, il va y avoir un à-coup de ouf. Et il va falloir tenir de ouf. Ouais, il faut tenir fort. Après, elle est déjà tendue, du coup, ça va. Vas-y, ouais, commencez là. Ouais, il y a fou fond. What? Ouah. Okay. Chaud. Ça, c'est une coulée, ça. Tu peux en faire une là-bas, là? Vas-y, encore. C'est super ce que tu fais, mec. Tu fais un travail formidable, hein, sache-le. Là, tu peux couler, ouais, c'est super, mec. Ouais, vas-y, cool. C'est super beau, vu d'ici, frérot. Il est fatigué, mec. Je vais pas réussir à tirer. Ok, il y a du fond, c'est sûr. Attends, mais c'est impossible, les gars! Mais si, tu te lâches, juste lâche-toi! Bah alors, tu chauffes tout le monde et. Allez, ça y va pas! Allez! Je lâche pas! Allez! Oui. Deux! Un! Stand up! I
clair, Flo il va tester le rope swing, mais avec sa blessure au genou, depuis cette dernière opération, il a pas refait de saut de plus de genre 8 mètres. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que il va faire le rope swing, il va revenir et il va partir au moment où il le sent pour qu'il y ait un peu moins d'impact. Mais on a peur qu'il retouche la poutre. Donc, normalement, au niveau physique, il n'y a pas de problème, mais je vais me mettre en safety quand même. Ouais, tu te sens comment, Flo? Cette impression? Bon, en vrai, ça va le faire. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est vrai. Tranquille. Ouais. What? Le truc s'est cassé. Non. Là, je crois que c'est le dernier. Ok, c'est la fin, frérot, c'est la fin. Merci les gars. Oh putain. Oh non. Voilà, Wizzy, ça fait des dingueries. Ah bah c'est mort. Je crois que la corde élastique, c'est pas une bonne idée. Ouais. Wow, c'est chaud. Wow, c'est le meilleur des slides. Tu t'équilibres en l'air, tu vois, tu peux utiliser tes bras, tes mains. Et quand tu vois l'eau arriver, hop, tu te contractes. Et que tu remets tout comme ça et tu laisses pas tes bras. Et normalement, ça va bien se passer. 4, 3, 2, 1, let's go! Attends, on va aller faire un check avant. Mais non. Ça va checker le flic et ça va y aller. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Bon, on va décaler du pont parce que il y avait les flics allemands tout à l'heure qui étaient là et du coup ils vont probablement appeler les flics français, donc on va filer. Mais c'était une putain de session. C'est incroyable de faire un rope swing de 12 mètres, même si je l'ai pété, j'ai kiffé. La police allemande était trop cool et là la police française bah elles sont pas cool. Du coup bah on bouge de spot. Allez, on file, go 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 go. Bon là c'est incroyable parce que on vient juste de partir du pont et les flics ils arrivent sur le pont et je pense qu'ils commencent à comprendre que bah ils sont un petit peu à la bourre. Ils ont loupé le timing. Et là on est incognito, on est insoupçonnable. Je suis la seule ça avec ton pote Léo. Il est trop chaud. Je suis pas sûr que ce soit Léo. C'est pas Léo ça? Je crois que c'est Cédric. Tu vois comment il est heureux? Cédric! Cédric, il est pas heureux, mais. Cédric, c'est mon étudiant en salsa. Tous les mercredis. C'est chaud. Les flics, ils sont en train de monter sur le pont, alors qu'ils nous ont clairement vu partir. On est tous torse nu, tous mouillés, je comprends c'est pas. C'est du bonheur. Hein. C'est du bonheur. Oh! Oh, il l'a pris en main. Vas-y, à moi. Ok, à toi. Cheese! Ouh.
Bon, et ben merci à tous d'être venus à la jam. On s'est bien marré, franchement ça fait plaisir. Il y a une belle commu à Strasbourg. Merci au mec qui a fait la coulée, il est là, Mathéo, tu régales. Et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mais où est-ce qu'on a encore débarqué là? Qui nous invite? Où est-ce qu'on va dormir ce soir? Je sais même plus, ça s'enchaîne de ouf. Olé. Voilà mec. Bah mec, il y a des énergies de ouf ici. Bienvenue. Fais le tour. Oh. Oh. Ok, deuxième essai. On continue. Ah ça fait les traces. C'est bon, j'ai eu de la batterie. Et moi je me suis perdu dans la maison. On est immense. On est chez lui. Pablo. On est chez Pablo. Putain, incroyable maison mec. On peut filmer ou pas? Oui, tranquille. Ok. Ok, tu nous présentes un peu? Ouais, après je suis un peu perdu déjà moi. Par là. Ok. Parce que ce qu'il y a le plus important c'est les cuisines. Ok. Pour faire à manger. Et là, Vlad, Vlad il est dans le mal. Putain, j'ai éteint le gaz pour vous. Non, pire mec. Putain, j'ai éteint les deux gaz. D'un coup. Mais fais attention hein. Mec, il y a des esprits dans cette baraque. C'est vrai? Je te jure mec. Tu sens rien moi. Tu sens pas la vibe un peu là. Non vraiment pour moi c'est une maison normale. Sinon j'ai toujours habité dans des maisons habitées. Vous sentez-vous ou quoi? Je sens rien moi. Non vraiment je sens que dalle non plus. J'ai l'impression de voir un Disney. Toi les gros châteaux là. Ah ouais. La maison c'est un Disney. Bah ça fait plaisir. Ouais en vrai c'est un Disney à l'ancienne. On est à côté de Strasbourg et on est avec des gars qui sont bien déter. Ils ont set up un énorme rope swing. Ils sont en train de nous montrer ça. Ça va bientôt partir en démo. Ils sont ultra organisés. Il y a le rope swing, une autre corde pour attraper le rope swing. Ça va être bien cool. Non, on l'a déjà fait. C'est top bon spot. La honte, c'est une vraie Vlad, tu... Mais allez, mais vous êtes trop exigeant avec moi. Allez. Mais c'est une forêt tropicale. Comment tu veux que je trouve un chemin là-dedans moi? Comment on va faire en Thaïlande? Bah... Où ça, Florian? La session est assez courte, on commence à entendre de l'orage. En ce moment, les sessions, ça dure pas très longtemps, en vrai. Oh, ce genre d'échec. Let's go. Ça va là la position? Ça va là la position. J'attends le drone les gars, c'est comme ça. C'est, ce sera insane. We're ready. Ready dude. Rolling. Trip. J'arrive. Ça va envoyer fort. Bip 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 bip. Oh, je le préfère encore à celui de Grenoble. T'es un malade. Non, c'était vraiment cool. Il lance bien quand même. Il lance putain de bien, mec. Il y a un bon swing, je kiffe trop. Oh, jeez. Mais du coup, bah. Pour le nouveau drop, on a sorti des petites casquettes avec. Pour la collection Deepwater. Et bientôt, il va y avoir un gros restock de toute la collecte Deepwater. Et du coup, il y aura des petites casquettes en plus. Ça va être stylé. Tu respires mec? Ça va ou quoi? Ça va. Oh. Putain. Merde. Ah j'étais pas prêt en vrai. Parce que je l'avais déjà fait, c'était super bien passé, donc je me dis oh ça va, je lance. Tuck in lay. Ouais. Groupé après lay. Ouais, j'ai envie de et je l'avais déjà fait deux fois et c'était nickel. Et je me dis ouais c'est bon. Et putain, non. Non. Non mais ça va, ça va. Ah, c'était bien avec ça réveille mais c'est bon. Et vas-y, on bouge non? Moi c'est la fin du Tour de France pour moi. Au revoir les copains. Come on. Non. Je peux pas être tout mauvais. J'aurais des petites personnes.